Moi ça va me servir d'aller me faire couper les tifs. Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon sceptique? Mais t'y a rigolé demain ma boule à zéro. Le jour où ça ne pas, t'as qu'à te plaindre du nom. Et je me suis fait virer. Et les Beach Boys chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Long, long, get around, I get around. C'est la suprématie du prêt-à-porter, promue par les mouvements de la jeunesse. La mode n'émane plus d'une élite, mais de la rue. C'est la naissance de la scandaleuse mini-jupe. Sous l'influence des États-Unis, on assiste à l'essor du blue jean, un ancien bleu de travail qui fait sensation. Ce tissu résistant devient tellement populaire qu'il habillera bientôt les jeunes du monde entier, jusqu'à nos jours, sans distinction de sexe. C'est pour moi une richesse de style, de coupe, de matière. Mini-jupe, jean, robe baby-doll, vinyle et bottes blanches, style androgyne, imprimé géométrique. Bref, un tourbillon de transformation, symbole de la libération de la femme. Tout comme les femmes, ma garde-robe se modifie entre les styles vestimentaires inspirés du rock'n'roll et la révolution du prêt-à-porter. Je privilégie des vêtements ajustés et épurés, tels que des costumes slim, des chemises à col rond et des pantalons cigarettes.